ici The Rock. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de BGM avec le Lightning de Tampa Bay en finale de conférence. Donc, première année en tant que DG et assistant DG, on réussit à aller chercher la finale de conférence. Mais là, il faut passer à travers les puissants Flyers de Philadelphie. Et ça sera pas facile. Ça va être une série physique et ça ne sera pas facile. Je vous le promets. Modifier les lignes, ça va être une grosse série. Ça ne me surprendrait même pas que ça aille en 7. On a eu extrêmement chaud contre les Maple Leafs et qu'on a eu chaud. Mais cette fois-ci, là, Wyatt Simmons, Claude Giroux, Voracek, Brendan Shen, Sean Couturier, Matt Reed. Donc un bon top 6. Raphaël Beaumont, Wes Lawton, Vanderbilt et Gordon. Un top 9, un bottom 6 qui a un peu de la misère défensivement. The Ghost avec Gudas, Provorov, Strait et Del Zotto, McDonald, on a une bien meilleure défensive que ça. Et dans les filets, c'est Steve Mason. On les surpasse partout, je suis convaincu, à part dans les filets. Mais dans les filets, c'est une question de... Ça joue ça à glace et c'est un peu aléatoire là, si Bernier a une bonne prestation ou pas. Donc, let's go! Troisième série. Let's go, première période, on a l'avantage de la glace, donc comme d'habitude, deux victoires à domicile, ça part très bien la série. Première, Jakub Voracek, ok, première période, 1-0, Voracek qui marque en tout début de période. Deuxième période, 2-0, The Ghost qui marque l'attaque et Steve Mason est en train de réduire l'attaque à 0. PK, good job, il reste 10 minutes. Je sais que notre attaque est capable de scorer. 3-0, c'est fini. Oh, ok, j'ai simulé parce que je pensais que c'était fini. Kucherov a fait un match intéressant, mais on a perdu le premier match. 3-2 dans un match décevant. 3 buts pour Bernier, c'est correct. C'est l'offensive qui n'a pas aidé du tout. On sait qu'on repose quand même beaucoup sur notre offensive, mais pour l'instant, elle aide pas du tout. Deuxième match. Let's go. Première période. 2-1, Shen, deux fois Kevin Hayes. Come on, là, les boys. Deuxième période. 3-2, Tyler Johnson et Wade Simmons. On n'est pas capable de les empêcher de scorer. Cédric Paquette. Oh, calvaire, ma voix. Ça fait beaucoup de vidéos que j'enregistre. Défilé. Cédric Paquette qui marque. Good job. On a 30 tirs. Steve Mason connaît toutes que des séries en ce moment-là. 5 minutes à faire. 2 minutes à faire. Et on ira en prolongation. Et Tampa Bay, je peux vous dire qu'il commence à être habitué des prolongations. Là. Let's go, ça prend un goal. On peut pas perdre nos deux premiers matchs à domicile. Piqué, 5 contre 3, 5 contre 4. Come on, ref. God damn, ben voyons donc. Si, boire. On a passé le 3 quarts de la période en piqué. Là. Ça nous prend un power play. Oh, Jakub Voracek, you son of a fucking bitch. God, oh, 2-0, le lead pour les Flyers. Ok, je fais pas de changement pour l'instant. On reste patient, on s'en va à Philadelphie. On a moins de pression de nos partisans. Let's go, première période. 2-1, Jagr, son premier but des playoffs, il était temps. Et Palat, good job, deuxième période. 4-2, Palat, taux du chapeau de Andrej Palat. That's it, power play. Est-ce qu'on peut mettre 3 buts d'avance? Non. Et Wayne Simmons, il y a toutes que des séries, le fucking Wayne's. Un but d'avance. Hey, les referees. Come on, ref! Hey, 37-20 les tirs. Et une chance qu'on score des goals, là. Parce qu'encore une fois, on a 3 buts accordés. Et Tyler Johnson marque. Et Tampa Bay est de retour tranquillement, mais sûrement dans cette série-là. 2-1. Là, le prochain match est extrêmement important. Soit qu'on crée l'égalité et qu'on s'en va à Tampa Bay avec une égalité, soit qu'on perd 3-1 la série. Et ça serait très dangereux. Première période, 2-1 encore. Kucherov et Phil Pula, good job. Wayne Simmons, encore. Deuxième période, 2-1. Wayne Simmons, blessez-le, kicker. Brendan Shen qui marque en plus. Power play, Sean Couturier. Power, come on! On pogne donc bien les deux! Ça n'a pas de foutu bon sens! Oh, god damn! Et le Lightning de Tampa Bay, ils retentent de se défendre le mieux qu'ils peuvent à Tampa Bay avec un recruteur de 3-1.
dans la série et je vais faire des changements. Je n'ai pas le choix. Modifier les lignes. Palat, ça va très très bien. Je vais te mettre avec Stamkos et Kucherov. Voilà. Défensivement, j'ai. Ok, je vais mettre Cronwall à la place de Strawman. Et gardien de but, je vais mettre Vasilevskiy à la place de Bernier. Vasilevskiy, c'est tellement le moment de te reprendre. C'est le moment parfait dans la série et dans ta carrière pour te reprendre. Let's fucking do it. On perd pas de temps, on simule. Let's go. Première période, 0-0. Good job, je suis satisfait avec ça. Deuxième période, 2-0. Wayne Simmonds et Brendan Shen. Wayne Simmonds. On mène dans les tirs. L'histoire de la série, ça aurait été Steve Mason et Wayne Simmonds. Tyler Johnson a marqué en power play et Steven Stamkos a marqué en power play. C'est 2-2, back-to-back goal. On n'est pas fini, là. Comment ça prend seulement un but. Ils ont réussi à marquer. Là, on s'en va à Philadelphie. Et je peux vous dire que c'est Philadelphie qui va avoir la pression. Mais prolongation et ça prend un goal. Drette là. Et je call Jonathan Drouin. Ça fait longtemps qu'il n'a pas scoré. Depuis la première ronde, il est complètement invisible. Power play. Non, 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 non. Come on, come on, come on. Un autre power play. Un autre pénalité! Come on! On a eu je sais pas combien d'eux dans cette petite série-là. En prolongation, Jason Garrison, un petit con! Ah, ok, Jason Garrison prend un 2 pour avoir accroché. Un 2 pour avoir accroché en prolongation de finale de conférence. Garrison, t'es dehors! We'll be right back.